parlé avec vos pères et si la vérité est et la vérité s'en va dire. Ah ouais. Et il faut dire que vous marquez la Guadeloupe. Allez, vous Martinique. Excusez-moi, vous Martinique. Merci. Hein? Non. Tu vas pour quoi? J'ai. Thank you.
Eh bien, moi, là, quand tu es bien. Hein? Alors, dernière fois, nous te joignons, d'après moi, tu as monté bicyclette. Oui, tu as monté bicyclette. Alors, racontez-nous ça, si vous voulez. Oui, j'ai couru à l'USL pendant 7 ans. Et là, j'ai couru pas mal de compétitions dans les communes. Et là, j'ai été équipé à Saint-Denis-Moulin. Et en ville, là, on a commencé à rentrer vraiment frais à vélo là. C'est là que je suis venu partir l'armée avec moi. Je suis parti l'armée, j'ai fait 4 mois à Martinique, 8 mois à Guyane. Et là, à Martinique, le club cycliste du Gobon mène le vélo à moi, habillement, par la demande de Victor Venitolo. Et je suis venu, il y a toutes ces machines là, et habillement, il mène le vélo à moi. Ça, il va commencer à entraîner avec Roger Martial et président Romain Rizal, qui était président du club CCGM, club cycliste du Gobon. Et bien, après quelques entraînements, il dit bon, pourquoi passer monsieur, capitaine d'équipe à club là. Et c'était juste sa collaboration avec Roger Martial, il était entraîné ensemble d'ailleurs. Et puis c'est plus ou moins Fort de France, moi j'étais militaire à 2 ans. Et là, commencé à rentrer en forme. En venant, oui, Saint-Joseph Rivière Blanc, 5 fois la circuit. On a été fait 9e. Après, en couille, 7 ans de Fort de France. On a été rentré 12e. Et après, en 14 cité René Rapport, pendant tes militaires en Martinique, en 14 cité René Rapport, en militaire Guyane. Et à partir de Guyane, et c'est là qu'on est rentré dans l'espoir cycliste guyanais. On a commencé à entraîner avec ce club de Blassa. Finalement, à partir de 40 ans, on m'a entraîné convenablement qui fait à pas faire compétition lui. D'accord, mais alors tu mets aussi un petit peu de Molia. Oui, on était équipé à Molia. Mais c'était ça qui évoque là. Ah, à l'époque de 68, 69, 70 par là. À Pauline. Oui, à Pouille avec Pauline. Pauline connaît très bien d'ailleurs. À Pouille avec Roland Devaux. Après, il y avait Claire Valentin, après, il y avait Charles Aubert. Charles Aubert, nous avons entraîné souvent ensemble, moi, lui et frère, moi. Claude, nous avons entraîné souvent ensemble. Charles Aubert, Claude et moi. Nous avons parti, nous avons été virés à CDR, et nous avons fait petit bout et nous avons entré par vers nous à l'époque. Alors, quand il va visiter au jeune d'Abou d'ici? Ben, je dis là, à là, parce que si c'est un ami de longue date, il m'a invité à venir. Et hier, quand il m'a appelé, il m'a dit comme, je souhaite que tu sois là. Alors, je lui ai répondu que, bon, je ne sais pas tellement, mais quand j'ai discuté avec ma compagne m'a dit, mais non, mais Christian, c'est un bon ami à toi, vas-y. Tu m'accompagnes? Non. Et mais donc, comme ça, je suis parti. Je suis parti, comment dire, seul, et je suis chez Sirajou Cressan, c'est un ami frère. On se considère comme deux amis. Ben, j'ai demandé, la fille de Cressan vient de me voir là, j'ai commandé Colombo de Cabri, oui blanc. Ok, d'accord. Alors, bon appétit, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Attendu. Bonjour monsieur. Ça va? Bien. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est jamais que ça fait pas.
Non, il le prend encore. Okay. Voilà, voilà. Non, je prends le lecteur, s'il te plaît. C'est cela et dernier technique. Bonjour, ah, mademoiselle. Alors, j'ai vu que vous avez pris notre riz. Pardon? J'ai vu que vous avez pris notre riz. Oui. Alors, vous avez pris quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un gras, un boudin, de la salade. C'est bon? Oui, c'est très bon. Comme plat, vous avez choisi quoi? Pardon? Comme plat, vous avez choisi quoi? Le colombo de cabri. Le colombo de cabri? Voilà. Et quoi, j'ai mis pareil. Et quoi, t'as pris quoi? Ah, et mon colombo de cabri. T'as mangé quoi, t'as pris? Comme farci, c'était délicieux, le fait. Mais je sais, j'ai filmé le dessert, comment les gens sont faits. Tout le monde parlait de sa cuisine. Okay. Quand on a monté la vidéo, on s'est rendu compte que tout le monde de la cuisine. Ils ont dit que vous êtes tous végétariens. Bonne cuisine. Exactement. On retient ça dans notre maman qui était aussi une excellente cuisinière. C'est ce qu'ils ont dit. Exactement. Je vous laisse pas plus. Bon appétit. À tout à l'heure. Merci. Mais oui,
Mourir au fou, mais tiens, va vivre la vie trop belle. Je veux me marier.